Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Fallout New Vegas. On était dans l'usine hydro-hydraulique du Grand Rien et on allait la fouiller. Donc j'ai posé un peu le matos, on est prêt à faire à se baigner là et puis ramasser tout ce qu'on va pouvoir dans la flotte. Ça a été inondé et on va essayer de récupérer des choses qui sont dans les profondeurs. Vous voyez, il y a. Alors, notre taux d'énergie est basé sur notre endurance, enfin notre taux de respiration, je veux dire. Donc, on n'a pas une grosse endurance avec le personnage, mais on peut prendre du bufou, la drogue, pour améliorer ça. Déjà, il y a des microcellules à fusion qui flottent. On va récupérer tranquillement. Alors, il arrive souvent que lors d'un reload, les objets soient remis à leur position, et quand il y a de l'eau comme ça, que certains objets se mettent à flotter alors qu'ils ne sont pas forcément en train de flotter à la base. Donc c'est possible que ces objets étaient au fond de l'eau et qu'on les récupère finalement facilement grâce au fait d'avoir repris la partie, quoi. Alors, allez, on va plonger. L'air de rien avoir là. Bon, on n'est pas encombré donc on va assez vite, hein. Et vous voyez, l'oxygène vient vite à manquer quand même. On peut garder, on peut jeter un œil sans avoir à plonger hein, aussi. Voilà, des caisses remplies de matos utiles. Là-bas, il y a une caisse d'armes. Alors on va prendre un bufoot et puis on va voir si ça tient plus longtemps. Hein. À chaque fois je fais le test, mais on avait vu. Voilà. Ah, je suis accro. Dommage. Donc là, si je plonge, vous voyez l'oxygène, comme elle redescend beaucoup plus lentement, ce qui nous laisse beaucoup plus de temps pour gérer. Alors on va aller voir par là-bas. Argent de Vanguerre. Rien là. Ok, là-bas il y a un grippin. On va aller le récupérer. Hop. Donc les radiations peuvent vous réduire votre endurance. Il y a les accoutumances qui peuvent vous réduire votre endurance. Et évidemment, vous pouvez avoir des objets qui améliorent le temps de respiration sous l'eau. Alors j'ai pas vu d'objet qui permettait de respirer vraiment. Ah, il y a une hache là-bas. Il y a 4 haches. Hop. On fouille dans tous les recoins. Vous voyez les haches, on a failli les passer à côté sans les voir. Ça servira plus tard ces haches. Si on les utilise dans le Morave, les robots n'étant pas aussi bien protégés contre l'IEM, ça devrait faire un carton. Alors, hop. On va essayer de pas se noyer. Capsule mug. Voilà, on est tombé sur le jackpot. Tant qu'on est dans l'inventaire d'un coffre, le temps s'arrête, hein, donc on n'est pas en train de s'étouffer. Nuka-Cola. Okay, on observe rien d'autre. Bon, voilà, je crois qu'on a tout. L'important c'était de trouver de toute façon surtout le mode. Je crois qu'il y avait un mode pour le lavabo. Et maintenant qu'on l'a, on va pouvoir rentrer. Alors, hop, je vais récupérer du matériel jusqu'à l'encombrement maximum. Je vais laisser tout ce qui est lourd qu'on va garder sur nous. Par exemple, notre armure, les choses comme ça. Vous voyez, 181, si jamais je ramasse tout, on se retrouve à 304. Donc il y a 60 kilos de trop. Les 60 kilos, ça peut être 60 kilos du matériel qu'on utilise. Mais vous avez vu, quand on est venu ici, le nombre de scorpions qu'il y avait à la porte, hein. Donc si on fait des allers-retours en voyage rapide, on risque de retomber sur ces trucs-là. Donc on va garder le Sonic Tarantule, on va poser le pistolet mitrailleur, toutes les mines qu'on utilise, enfin qu'on va garder sur nous, hein. L'incinérateur, bah, on l'utilise pour le moment, donc on va le garder aussi ici. Les grenades, hop, raté. Les grenades à plasma. On va lâcher notre armure, alors ça c'est le plus risqué, parce que si jamais on revient, on sera en slip. Mais l'armure en elle-même pèse 25 kilos, donc ça nous permet de, vous voyez, l'oscillateur on va le garder, et on peut s'équiper de l'armure de cuir en attendant hein, pour ressortir, mais
Ce qui nous intéresse surtout, c'est de faire un petit peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait laisser? Les munes. Les munes, par exemple, de lance-flammes. Les munes optimisées, parce que c'est ce qu'on va regarder dans tous les cas. Et 2 kilos de munes, peu importe, de 10 mm, voilà, parce qu'on a un pistolet mitrailleur. D'ailleurs, le pistolet mitrailleur de 10 mm, on va vérifier, mais... Oui, ok, il est intact, c'est bien celui qu'on utilise. Les missiles, tout ça, on les déposera bien évidemment. Et là, on n'est pas encombré. Vous allez me manquer. Oui, mais je viens de te chercher dans 5 minutes, ma jolie. Alors, c'est vraiment la petite amie, l'armure petite amie, hein. On sent que c'est des geeks qu'on fait ça. Alors, on ressort, espérons qu'il n'y ait pas de scorpion. Mais vu qu'on a fait un carton la dernière fois, vous voyez, on est dans la zone de Mobius, hein. C'est tout rouge, il y a la lueur des cristaux. On retourne vite fait au think tank, au cloaque. Voilà, et on va pouvoir tranquillement déposer tout ce qu'on a trouvé et activer le lavabo. Oh bon sang, regardez-vous. Vous êtes sale. Et j'imagine que vous voulez vous nettoyer. Tu as l'air obsédé par la saleté, c'est quoi ton problème? C'est tellement peu hygiénique. Vous savez combien on trouve de germes dans 1 cm³ de saleté? 700 zilliards. Ça vous plairait qu'on vous déverse ça dans le gosier à longueur de journée? Ça m'étonnerait. J'imagine bon, que vous suis rempli, venu remplir ces bouteilles vides. J'ai besoin de rien, si on reparle plus tard, ok. Autant que vous voudrez, mais n'appliquez pas vos lèvres sur le robinet, d'accord? Question d'hygiène, vous comprenez? Ok, alors là, elle va remplir nos bouteilles. Vous avez ici. Travaillé avec ce poste de recherche biologique, n'est-ce pas? J'imagine que vous voulez... vous nettoyer. Oh, j'adorerais, Trésor. Mais les circuits me permettant de déverser de l'eau dans des conteneurs autres qu'organiques ont grillé il y a des années. Il faudrait que vous trouviez de quoi remplacer ce module. Ok, il faut un module pour faire les bouteilles d'eau. Et les bouteilles d'eau, ça nous bouffera probablement certaines bouteilles. Par contre, les bouteilles, je me méfie parce que on en utilise dans beaucoup de trucs. Pour faire du Sunset Salsa Parrilla, pour faire du Nuka-Cola, tout ça, on peut en faire. Hein. Donc on en prendra quelques-unes et on regardera ce que ça dépense comme type de matériel de craft. Parce que si c'est pour juste avoir de l'eau pure, ce qui sera probablement de l'eau pure, on s'en servira pas forcément. Racine de nature à sacrée, térébenthine. La térébenthine sert dans pas mal de craft. Faut pas systématiquement que je l'utilise là-dedans. Vous avez besoin de services supplémentaires. On va se faire soigner parce que vous vous souvenez, sur les robots scorpions, on a dû prendre cher. Et puis, on a des. On est accro à plein de trucs. Oh non. Oh non, non, pas le bistouri. Le tristouri. Ok, je vais regarder si ça nous a enlevé notre dépendance. Ou est-ce qu'il faut quand même que je la retire à la main avec du fixeur? Alors, effet, buffou, buff out. Alors, 60 force, endurance, ok, c'est pas parti. Alors, vous remarquerez qu'on a fait un voyage rapide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé et l'effet du buff out est toujours actif. Donc, ça veut dire que ça dure vraiment longtemps, hein. Donc on saura pas avant qu'ils disparaissent. Mais je crois qu'il n'y a pas l'accro. On va se déposer notre matos. Alors bon, ça va aller vite, hein. Toutes les armes déjà. Quasiment, ça on va garder. J'ai l'impression que si j'ai posé un truc de trop, c'est pas grave. Ah, merde. Voilà, donc déjà, on est pas mal. On garde un petit peu des trucs, hein, genre 5 d'un truc, un cocktail de combat, enfin c'est vraiment pour les cas d'urgence. Mais sinon, on stocke le reste, ça nous servira plus tard. Les steaks de chien, on en a plus beaucoup, mais on doit avoir de la viande quelque part. Sunset, au pire on prend des sunsets à la place, hein, ça marche tout aussi bien que les steaks. Ça donne juste soif, mais vu que maintenant on peut boire ici, ça devrait pas poser problème. Ce sera encore mieux quand on pourra remplir notre matériel, enfin nos bouteilles d'eau. Alors, térébenthine, vert. Alors, vous voyez, le grand rien et ce DLC finalement nous apporte une base
avec quasiment tout, tout ce qu'il nous faut, hein, pour pouvoir survivre dans les terres désolées. Évidemment, on va pouvoir y revenir, mais ça sera pas pratique, parce que pour y revenir, il faut pas avoir de compagnon. Donc quand on se baladera dans les terres désolées, on pourra pas sans arrêt se dire « Bon bah allez, barrez-vous nos compagnons, on revient dans le grand rien, on fait nos petites affaires, et puis après on va les rechercher, parce qu'on va perdre un temps fou à faire ça. » Donc en général, vous revenez pas que pour tous les 6 mois pour regarder ce qui s'y passe, quoi. Alors, boîte de conserve. Mais il y a la possibilité, si vous voulez faire du craft, d'avoir tous les objets dans la même pièce, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, hop. Encore faut-il qu'on en sorte vivant de ce grand rien. 90 kilos, je crois qu'on est bon, hein. Avec ce qu'on va ramasser sur place. Voilà, on y retourne. On a 2 autres endroits à vérifier vite fait. Vous avez d'autres petits... Mince. Bah non. Du coup, j'ai posé le grip. Ah, il le traumatisera plus tard, alors. Hop. Allez, on retourne là-bas. On rentre vite à l'intérieur. Alors, c'était le complexe magnéto-hydraulique. Hop. Alors, j'espère que j'ai bien tout trouvé ce qui se baladait là-dessous, hein. Mais entre les haches et puis l'espèce de truc où il y avait plein de matos, je pense qu'on devait pas être loin. Alors, hop. On remet la tenue. Elle va nous refaire un checklist. Ah, c'est les grenades plasma. Non, elles sont là. Incinérateur. Ouais, on va travailler à ça. Vous m'aimerez si je vous aide à vous cacher. Hop, et on est reparti. Alors, notre objectif, ça va être quoi? Ça va être d'aller... Transmetteur de signal. Là-haut. Là-haut aussi, il y a le dernier truc et il y a l'entrée du dôme. Bon, on peut aller aux deux. Alors, transmetteur de signal Hills, vous voyez comme il est affiché. Je pense que ça, c'est l'information qu'on a eue à l'observatoire d'Elijah. Il a dit qu'il avait fait une base là-bas. Donc, probablement qu'on va retrouver des traces d'Elijah au transmetteur. Donc on pourrait y aller sur place, mais vous voyez là, le chemin a l'air de se diriger directement par là-bas. On va y aller par le couloir. C'est bon. Tout va bien côté Medix, jusqu'à ce qu'il faille apaiser la douleur. Dr. Mobius, ríndete. No puedes vencer, a pesar de que lo tienes todo a tu favor. Alors, en espagnol, ça rend moyen, quand même, les discours. Alors, on va par où, là? Ah, à droite, c'est pour la zone interdite. Ok, donc nous, on passe à gauche. Mais il n'y a pas de chemin, donc faudrait passer à droite et suivre ce chemin-là, je pense, pour atteindre. Après, il y a peut-être un passage, hein, par ici. On va essayer d'en trouver un, plutôt, en allant à gauche. Et au pire, on va à la colline Hills, si je ne m'en trouve pas de passage. On va accélérer un peu... Faire gaffe, hein, y a plein de bestioles. Là, il y a un espèce de pont. Peut-être que ça peut mener de l'autre côté. Hop. Bon, là, si... Oh, ok. Ouais, je viens de le dire. Okay, critique à l'automate. On va laisser brûler un petit peu. L'idée, c'est pas de se prendre des tirs en attendant qu'il brûle. Hein. Critique à la tête. Oh. Je n'avais pas vu le robot derrière. On va prendre l'émetteur. Ah, lui nous a fait ultra mal, par contre, au plasma. Parce que contre le plasma, notre armure ne protège pas. Hein. Donc faut prendre des cocktails atomiques, sinon on explose. Comme vous pouvez le voir, nos points de vie ont fait une chute incroyable. Elle nous a donné un steam pack. Je pense qu'on devrait prendre quand même un super steam pack. Allez, essayer de se cacher un peu.
100 gènes MK3. Alors les 100 gènes, c'est des versions spéciales. Hein. Critique. Ok, on en a eu un. Le point de vie remonte. On attend. Ils sont encore nombreux, hein. Alors ça encaisse beaucoup moins qu'un robot scorpion de Mobius, mais ça fait nettement plus mal. Hein. Vous voyez le tir au plasma là. On le sent passer normalement. Mais on a pris le cocktail, hein, donc ça va mieux maintenant. On va le tanker. Voilà, en plus on a fait une série de coups critiques. Ce qui joue en notre faveur bien sûr. Du carburant de lance-flamme, donc on pourra ravitailler notre incinérateur et on est caché, il n'y a pas d'autre ennemi. Bon, on n'a pas utilisé de super steam pack, c'est déjà ça. On va se manger un petit steak, deux petits steaks supplémentaires. Et on va aller voir là-haut. Alors des racines de Xand qui traînent par terre, intéressant. Donc, ça doit être un poste biologique. Donc je pense que notre... jardin botanique X22. C'est pour le poste biologique qu'on va trouver du matos, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une pile à fission, une trousse de médecin. Il en est quand même mort, hein. Sûrement d'inanition. Léger risque de dispersion de semences en provenance du jardin botanique en fin de soirée. On y est au jardin botanique. Dispersion de semences. Ok. Donc c'est sûrement de là que viennent les... les monstres aux plantes. Ok, je l'avais pas vu. Alors, patient 0. Patient 0, c'est un mini-boss. Ça doit taper comme un mulet. Alors, on va passer au pistolet mitrailleur et je crois qu'on va reculer. Quitte à se prendre la chute. Je n'ai pas envie de vous voir mourir. On a pris cher sur la chute, mais il fallait se mettre à l'abri du machin qui tape. Brute porteuse de sport, ok, ils sont nombreux là-dedans. Bon, ils ont pas l'air d'avoir une bonne armure, mon 10 mm fait assez de dégâts. Par contre, vous avez vu l'allure à laquelle on vide les chargeurs, c'est des chargeurs de 30, non, de 21. Patient 0. Donc ça, le patient 0, c'est le premier à avoir été infecté. Oh, il y a même pas un petit texte. Il y a même pas un petit holo truc. Ok, alors là-haut, on a une plante. Hein. On va tout purifier par le feu. Hein. Voilà, on va y aller cool. Ah, cocktail atomique. Bon, faudrait qu'on la touche parce que là il y a que là-haut qui. Enfin, il y a que la zone de feu qui l'affecte. Et on peut voir que ça a une benne de points de vie. Hein. Le feu a pas l'air de lui faire tant que ça. Bon, là je l'ai raté. Coup critique à plante à sport. Ouais, ça lui a pas fait tant que ça, mais faut dire l'arme est pas. Oh, elle régénère. Voilà pourquoi elle brûle pas bien. Vous avez vu la barre de vie remontée? Ou alors c'est dans ma tête que ça a remonté. Impossible. Et là on a des munes améliorées. Hein. Je vous dis pas si jamais on tirait au lance-flamme classique. Hein.
j'aime bien le côté zen de ça, mais c'est vrai que c'est un peu long quand même. Mais ça nous permet d'utiliser le million de munitions qu'on a. Ah, mais c'est parce qu'on n'est pas sur les bonnes munes. Excusez-moi, on n'était pas en optimisé. Ça explique peut-être pourquoi ça mourait pas vite. Parce que le 5 de perce armure fait toute la différence, hein. Sur les dégâts. Parce que les dégâts sont très faibles à la base. Donc si jamais il n'y a pas de perce armure, bah tu fais pas de dégâts simplement. Enfin, tu fais que le feu et voilà, c'est hyper long. Ok, ok. Du boudin. Oh. De la racine. Alors, j'ai l'impression que c'est un cul-de-sac. Ok, il doit y en avoir d'autres des plantes, hein. Elles sont jamais seules. Juste qu'on fasse gaffe qu'il n'y ait pas d'autres. D'autres hommes à sport. Oh, Klein, vous avez déjà dit que ma zone vous était interdite. Totalement interdite. Ok. C'est l'heure de se battre. J'ai ramassé un truc. Le cloaque. J'entends des bruits, mais je vois pas d'ennemis. On va grimper un peu. Se mettre dans ce coin. Ah, voilà. Ok. Bravo. Oui, donc vous voyez l'impact. L'impact fait beaucoup plus, là. En optimisé. Mais un optimisé, c'est 3 munitions normales, hein, ou 4. Donc, ou 10 peut-être. Donc techniquement, ça vaut pas le coup. Mais si vous êtes au combat, c'est un peu mieux. Ah, elle m'a vu. Burn the witch. Oh, on prend pas beaucoup de dégâts. On a pas fait de crit, hein. Boom. Le plus mignon, d'après vous. Le docteur Klein ou le docteur Boros? Ok, alors. Continuons à nettoyer. Ce qui est cool, c'est que si on était vraiment dans un poste de biologique avec une contamination, machin, eh ben c'est au lance-flamme qu'on irait, hein. Clairement. Bon, après, le lance-flamme, c'est pas top pour faire de la récup, hein, on est d'accord. Alors, poudre de guérison, non. Non, avec les seringues vides, on peut faire les steam packs, hein, avec exactement les mêmes composants. Donc évidemment, non. Mais même les steam packs sont pas forcément ce qu'on a envie de faire avec les racines de Xandre et les fleurs de broc. Par contre, on voit qu'il y a des champignons mutants. Et ça, on n'en trouve pas ailleurs. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Un paquet de graines. Fleurs de broc. Donc c'est des graines qu'on va pouvoir utiliser, ça. Qu'on va pouvoir utiliser dans notre poste de recherche, planter des fleurs de broc. Comme ça, on récupérera des fleurs de broc régulièrement, au fur et à mesure où ça pousse. Bon, c'est anecdotique, hein, parce que vous doutez bien qu'on va pas passer notre temps à passer des jours et à faire pousser des plantes, hein. Mais c'est quand même cool de se dire qu'on sera pas obligé de courir dans le Morave pour avoir nos fleurs de broc, si on en a besoin. On doit pouvoir monter là-haut et farfouiller un peu plus. Probablement en étant sur un des rochers, vous voyez, ou alors en montant où il y avait la plante là-haut. Mais je crois pas qu'on puisse monter d'ici. Encore que, peut-être en sautant là-dessus. Non. Par contre, on peut passer par derrière, je pense. Hop. En sautant en contrebas. Voilà, ouais, donc il y a un passage pour redescendre de l'autre côté. En se cassant la gueule par ici. Vous voyez, il y avait un cul-de-sac là. Donc on va passer par là. Hop. Et on va aller voir ce camion exploser en bas. Il y a même un passage sur tuyau. Ouais, ça nous mènera nulle part. On va juste descendre. Aïe. Ouais. Ah, la jambe qui a pris. On a trouvé une trousse de médecin juste avant, hein. Alors. Hop. Je vérifie qu'il n'y avait pas un passage tout con. Ah, mais non, il y a un passage en plus. Je suis un vrai bourrin. Ouais, ok, il y avait un passage.
Bah justement, où on avait trouvé le corps. La réserve des Cazadores et le site de combinaison des crocs sont étrangement calmes. Trop calmes. Ok, alors, on farfouille. Hop. Des spécimens en fuite. On voit le truc. Bah les spécimens, c'était peut-être les plantes, allez savoir. Une petite seringue. Voilà, on va ramasser tout ce qu'on peut, hein. C'était quoi, X22? Et là, on devrait arriver à l'endroit où il y a notre dernier truc. Ah, mais non, on y était. Ah, mais c'était le jardin botanique. Ah, donc c'est bien le machin, le poste de recherche qu'on a à ramasser. J'ai pas fait attention, j'ai cru que c'était un mod pour le poste de recherche. Et non, non, c'est bien ça. Hein. Alors, il doit y avoir des méchants ici. Ouh là là, nos points de vie. Je n'avais pas vu qu'on était endommagé comme ça. Alors, steak de chien. Hop, un grand livre des sciences qui se balade comme ça par terre. Si c'est pas abusé, allez, on va le lire. Alors, grand livre des sciences. Plus 4 en sciences. Alors, à un moment donné, on va avoir 100% en sciences, hein, clair et net. En sortant du grand rien, c'est un peu l'endroit qui est dédié à la science de Fallout. Donc, vous vous doutez. Centre de recherche Y0. Ah, mais et vous l'avez fait sauter, Klein ? Ou c'est moi ? À un moment, il le dit à la radio. Il dit, vous avez fait sauter le centre Y0. Donc, vous voyez, il a explosé, apparemment. On va essayer de regarder s'il y a du matos, quand même. Ouais, déjà, c'est bien. Ça, c'est le matos des militaires. Allons sur le toit. Farfouillons. Trois steam packs et... recette, livre de compétences, armes de corps à corps. Ok. Une cuillère en métal, super. Y a pas d'entrée, hein, je crois pas. Oh, tu m'as fait peur, con de squelette. Ouais, donc ça, c'est celui qu'ils ont fait exploser. Et la porte devait être là, il y a un rocher devant. Ok. Ça nous fera un accès rapide pour arriver à la zone interdite, par exemple. On va pas y aller, hein, bien sûr. On va aller voir les autres endroits avant. Mais là, pour le coup, jardin botanique. Je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas moyen qu'on grimpe sur les hauteurs. Ah, mais ouais, y a un passage là-bas. On va quand même avancer jusque... un petit peu. Normalement, il devrait y avoir des robots scorpions. Je rigole. Ouais, vous voyez, il y aura pas grand chose à aller voir par là, je pense. De toute façon, on le fera. On reviendra par ici et on ira voir. Quand on ira à la zone interdite, on passera par là. On n'ira pas par devant. Sinon, on peut y aller par l'accès où il y avait les trains. Mais on va repartir dans l'autre sens. On va aller voir l'endroit où Elijah avait fait sa première base. Peut-être qu'il y avait laissé du matos. Et le matos d'Elijah, vous avez vu... Essayez de quitter votre dôme, membre du think tank, et vous vous ferez pincer par mon armée de robots scorpions. Ok. J'espère que j'ai rien oublié là-bas, mais ça m'embête. Ah, attendez. Est-ce qu'il y a un tuyau qui relie? Là-haut, il y a un tuyau qui relie. Sur la hauteur. Donc en allant par là, peut-être qu'on pourra. Hop. Sac marin, vous voyez le genre de truc qui traîne que vous pouvez facilement rater. Il y a un bruit. Il y a comme un bruit. Puis vous savez, le petit bruit de serpent à sonnette, là, ça fait penser au croc. On soit tombé sur des robots, nous. Alors, attendez, on regarde la carte. Par là, transmetteur de signal. Et par là-bas,
Il nous reste trois trucs, on visitera les trois. Et on aura bientôt fini, il y aura même un endroit au bout de la ligne ferroviaire qu'on pourra aller voir. Donc quatre endroits à visiter. Allez, on arrive au bout du grand rien. Et on en a quasiment percé les secrets. De la drogue. Un peu de matos, ça doit être le centre. Ouais, ça doit être là qui s'est installé la première fois. On peut voir qu'il y a une caisse et qu'on peut faire le lien. Et là, ça mène où? Ça mène directement au think tank, mais par l'arrière. Donc, ce sera intéressant de rentrer à pied. Fuck. Merde, je me suis foutu le feu. Ah, on voit que c'est pas le seul à être passé. Et déjà, il y a aussi Ulysse qui est passé là. Ulysse, il a fait comme nous. C'est un courrier. Donc, il a visité chaque endroit. Hein. Comme tout bon courrier qui farfouille toutes les pièces. On voit que c'est Elijah ici parce que il sème des cellules énergétiques partout, hein, au fur et à mesure où il se balade. Alors, pas besoin de se cacher. Alors, prendre mise à niveau de l'autodoc, amélioration coiffure. Ok, c'est cool. C'est le cosmétique de l'autodoc. On pourra changer la tête de Durandicus et livre de troc. Ok, du matos. Il n'y a pas l'air d'avoir le matos d'Elijah là pour le moment. Ouais, bizarre. Un mug pour Muggy. Surtout pas les oublier, hein. Ça lui fait plaisir. Cendrier, je crois qu'il les transforme aussi. Hein. Tous les objets inutiles, il les transforme. Capsule, ok. Ouais, bon. Pas l'air d'avoir grand chose ici. Ouais, c'est pas là. Hein. On va relire les données divers. Alors, posteur de recherche biologique, livre compétences d'armes, journal d'observation d'Elijah. Alors, ce campement est mieux que celui que j'avais établi au sommet de Signal Hill. Oh, pardon, sommet, ça doit être au-dessus.